super-héros et super-vilains, on se retrouve pour l'épisode 4 et l'épisode final du Let's Play d'Injustice, les dieux sont parmi nous, en suite directe, puisque apparemment, pardon, ils nous donnent notre nouveau perso sans nous dire que c'était le début du chapitre. Donc, on est parti. Il ne m'oblige pas à faire ça. Pour se battre avec Flash. Flash qui, après tant de morts, a décidé de retourner sa veste. Enfin, pas de retourner sa veste, mais de partir. Non mais attendez, je viens de capter. Ouais, je viens de capter quelque chose. Oh là là. On est dans la forêt, la forteresse de solitude de Superman. Oh, c'est une chope. Oh là là là. J'y arrive pas. Encore Flash est encore plus difficile que les autres. Allez, va faire voir. Voilà, va voir Doomsday. Ah, j'y arrive pas. Oh là 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 là. J'y arrive pas. Oh, j'arrive pas. Et allez, on est reparti. Oh non, je vais le tuer! J'ai pas fait gaffe à sa barre de vie. Ah, je suis désolé. Tu ne m'as pas laissé le choix, Al. Hey, toi, faire quoi, homme chef? Grundy écrasé, petit abruge! Laisse tomber, Grundy. Pas grave, on le fera sur Grundy. Ouais, il peut être bien Flash, mais oh là, c'est quoi ça? Bah, je me suis fait défoncer. Bah, comme ça, vous voyez là. Super de Grundy. Attends, tu l'as sorti de où? Tu l'as sorti où ta plaque? Je sais le faire aussi. Hein. Oh là là, qu'est-ce qui me met? Eh, c'est quoi ça? Le mec, je le tape, ça me fait rien. Oh là là. Oh non, dans le vent. Je voulais le. C'est quoi ça? Je suis désolé, hein, en même temps que je me bats, je tente des trucs. Petit homme, tiens en poche. Ça va faire mal. Très mal. Oh oui.
Désolé, je reproche un bonhomme. J'ai jamais été fan des zombies. On va faire un détour. Ceux que j'ai réunis ici sont l'élite. Les soldats les plus braves et les plus forts de cette planète. Ceci est une mission héroïque. Elle requerra que vous transcendiez votre humanité. Incarnez les valeurs les plus hautes de Terre Unie. Obéissance. Ordre. Contrôle. Ceux qui contesteront les ordres du Haut Conseiller, ceux-là seront exécutés sans scrupule, ni hésitation. Dis même s'entendre parler. Escadron, rassemblement! Maintenant, Sinestro, assez parlé. Oui, en effet. C'est bon ? Déserte, Flash. Le moment est mal choisi, non ? Tu as raison. J'aurais dû faire ça il y a longtemps. C'est bon, on est arrivé chez Batman ? Ouais, hein ? Alors là, il a fait exactement ce que je voulais faire. Et c'est la moto de Dick Grayson. Mais c'est quoi ce truc? Ah non! Voilà! Je vais bouffer un peu de barre. Tac! Ça c'est bon, on est arrivé chez Bruce. Oh non, il saute! Mais c'est pas possible! C'est quoi ces gens? Je vais faire comment pour faire la super 2 flash quoi? Ah bon. En même temps, vous voyez celle de Sinistro. Alors je suis désolé pour celle de Flash. J'essaierai de vous. Je vais vous la mettre en bonus. Je ne peux pas te laisser comme ça. Je vais prévenir les insurgés. Qu'il a encore un combat. Qu'est-ce que t'en dis, bel oiseau? Toujours parfait? Bon sang, Oli, c'est bien toi? En personne. Où est Batman? Mon Batman? Il est quelque part à n'assassiner personne. Non, arrête, Oli, tu ne peux pas me toucher. C'était pas le but. Pour être rapide, faut penser. Ah bah voilà. Je vais peut-être. Je vais vous le faire sur lui.
Oh, j'ai une flèche. J'ai une flèche dans les jambes. Eh zut. Trop tôt. Ah là là, il a fait exactement ce que je voulais faire. Ça tombe bien sûr, on l'avait pas encore vu. C'est bon, normalement c'est bon. Oh non, mais vous se foutent de ma gueule. Ah, je vous le mettrai en bonus tant pis. Je peux te toucher en mouvement. Je peux riposter. Ouais, j'ai bouffé pas mal. Ah mais... C'est qu'il est énervant ce... Ça marchera pas, hein, mais... Ça suffit, Yoli, je suis de ton côté. Il faut absolument que tu m'écoutes. Écoutez-moi, Gotham et Metropolis vont disparaître. Ensuite, il s'en prendra à notre monde. J'arrive pas à y croire. C'est de la folie. On doit l'arrêter. Ça va être un sacré combat. Non. Je vous ai fait venir pour l'arme à Kryptonite. Et ce plan a échoué. Rentrez chez vous. Je détruirai le transporteur interdimensionnel après. Ça ne l'empêchera pas de venir. Ça vous laissera le temps de vous préparer. Luthor s'est sacrifié pour nous. On ne peut pas le déshonorer en partant. Il y a une solution. On amène notre Superman. On termine ce combat. On a assez d'un Superman dans ce monde. Il n'est pas comme le vôtre. Ne vous laissez pas envahir par vos émotions. Señorita, tu apprendras à me craindre. Pourquoi Superman t'a épargné, Bane? Il apprécie mon savoir-faire. Fais ta prière! Je te briserai. C'est tendu! Je vais te briser comme une allumette! Ah bah voilà. Alors. Mais spécial, Jenna. J'ai l'impression que comme elle vole, elle flotte un peu en l'air en fait. Ah, il m'a déjà bouffé une barre. Non mais où? C'est fait. Eh, c'est quoi ce mec?
mal, corazon. Tu n'es pas de taille. J'espère pas qu'il me fait la grosse. Oh si, j'ai bouffé. Désolé, hein, j'ai spammé un peu les boutons que je connaissais. Remercie Athéna pour ma pitié. La prison aurait dû t'apprendre la valeur de la pitié. Peña Durán m'a appris une chose. Mieux vaut être craint que respecté. Temiscira, comment est-ce? C'est moi qui t'ai amené ici. Toi? Je n'ai pas de temps pour tes intrigues. Calme-toi, je te prie. Nous avons beaucoup à parler. Tu as peut-être dupé ma mère, Arès. Mais je n'écouterai pas tes mensonges. J'ai une épée maintenant. Encore plus fort. Allez, encore plus fort que Captain America. Non mais lui, non, mais où? Allez, va faire un tour en bas. Allez, les Amazones. Ça découpe. Impressionnant, mais insuffisant. C'est vrai. Là, je vais bouffer. Présent, Arès, renvoie-moi là-bas. Diana, tes amis survivront à leur petite bataille. Mais si tu veux vraiment les aider, écoute-moi. Parle, et tâche d'être bref. Nous devons faire sortir le transporteur. S'il est endommagé, vous ne rentrerez jamais chez vous. Oui. Je connais le plan de Superman. Tu ne m'apprends rien. Mais sais-tu comment il compte mettre son plan à exécution? Pas encore. Si tu ne m'avais pas amené ici... Par Aphrodite. Choquant, n'est-ce pas? La grande armée Amazone, prête à envahir tout un continent. C'est impossible. Comment a-t-elle... Si seulement quelqu'un pouvait l'arrêter... Pourquoi voudrais-tu que je fasse ça? Le conflit pourrait te rendre tes pouvoirs. À court terme. Si Superman assoit sa suprématie, le conflit qui alimente mes pouvoirs s'éteindra à jamais. Je pourrais te remercier, Arès, si tu n'agissais pas encore dans ton propre intérêt. Inutile. L'ennemi de mon ennemi... Nous ne sommes pas amis. Nous avons un intérêt commun, pour l'instant. J'ai besoin... Tu as été repéré. Je te laisse travailler. Arès aide les insurgés. En termes de stratégie, ce n'est pas Athéna. Ton apparence trahit ton allégeance, Raven. Tu es au service de Trigon, pas de Superman. Je les sers tous les deux.
La victoire de Superman hâtera le retour de mon père. Et tous se prosterneront devant lui. Chez toi, tu n'es pas de taille. Et avec elle, j'arrive à placer mes super et j'ai pas réussi avec Flash. Je suis dégoûté. Sur le retour de ton père, Raven. Hâtez-vous, mes sœurs. Nous levons l'ancre dans l'heure. Emportez ça sur l'Athéna, Sloop 51. Ensuite, allez sur la jetée sud. L'équipe de Mora a besoin de renforts pour un transfert d'armes. Allez ! Diana ! Rappelle ton armée. Elle ne soutiendra pas la folie de Superman. Tu n'as aucun pouvoir, usurpatrice. C'est moi qui commande. Tu déshonores les Amazones. Nous devons tempérer la violence humaine, pas y contribuer. Après Metropolis, Superman m'a ouvert les yeux. Leur violence ne peut être tempérée, seulement étouffée. En tuant des innocents, comme Zeus avec Hippolyta, Superman se sert de toi. Tes Amazones doivent être bien vulnérables avec une reine comme toi. Ah oh service. Aidez les innocents. Sauvez des vies, amis ou ennemis. C'est notre rôle. Tu me sermonnes sur ce que signifie être une Amazone. Je ne te sermonne pas. Je te destitue. Ouais. Attends, c'est moi la chef. Les Amazones, ils ont pas besoin de Superman. Ils ont pas besoin des hommes. Enfin, normalement. Tiens. Ouais, rentre chez toi. Enfin, bien qu'on soit déjà. On est déjà chez elle, mais bon. Oh. Ah ouais. Dommage. Amazon, en avant. C'est fini. Reconstruisons ce que nous avons détruit. Halte, mes sœurs, halte! Je ne suis pas de ce monde, mais je suis une Amazone. Et je vous le dis, ceci est folie. Notre rôle est d'unir les peuples du monde, d'apaiser la colère des hommes, de la vaincre. Par la compassion et l'amour.
Elle a laissé un homme imposer sa colère à une planète tout entière. L'a laissé être consumée par ses passions les plus sombres, plutôt que de l'extraire à son désespoir. Mes sœurs, revenons ensemble du bon côté de l'histoire. Partons au combat, mais pour protéger l'humanité, et non pour la détruire. Nous sommes des Amazones. Nous sommes là pour sauver les hommes. Oh là là. Oh le Dark Superman. Terminé, vous rentrerez tous. Tu sais, je comprends. Comme toi, j'avais prévu le jour où mon Superman perdrait le contrôle. Mais sans aide, tu mourras. Et l'insurrection avec toi. C'est peut-être mon destin. Nous ne croyons pas au destin. Oh! Batman contre Batman. C'est mon monde, mon combat. C'est devenu le nôtre quand tu nous as fait venir. Bah voilà le fail que je voulais éviter. Ah moi aussi je vais le faire. Ah non, il me l'a fait. Ah là là, il me met ça super. Tu nous as fait venir car tu avais espoir. L'espoir que l'on porterait les valeurs que tu as défendues corps et âme. Alors crois en nous. Crois en toi. Et finissons-en. Tu ne sais pas comment ça marche, avoue. J'espérais que tu ne t'en rendes pas compte. Ha
doit commencer. Des innocents meurent. On s'occupe des autres. Concentre-toi sur leur Superman. On va le faire ensemble, pour éviter les pertes. Ensuite, Superman. Doomsday va poser problème. Dommage collatéral. Je devrais mener ce combat ailleurs. Autre chose ? Je sais que ce n'est pas tout à fait exact, mais c'est bon de t'en trouver. Ça suffit, Black Adam. Si Kandak existe ici, tu peux rentrer chez toi. Ah, j'avais pas vu. Tu es faible, héros. Et ton monde en souffre. C'est vrai que j'ai un peu bouffé là-dessus, mais... Superman a calqué son gouvernement sur le mien. Aucune insurrection n'est tolérée. J'ai trouvé les lasers. Et j'ai trouvé le Superman Punch. Allez, le météo smash. BOUM! I am Superman! Tu as assez fait de mal. Ça te retiendra assez. Pas si super, n'est-ce pas? C'est ta chance de faire le bien. Saisis-la.
Par contre, les animations des bonhommes sont mal faites. Les mecs, comment ils courent, c'est peu possible. Ah oui, c'est l'heure Aquaman. Tu n'es pas le bienvenu. Tu gagnerais. Je suis Superman. Oh le truc, pourquoi tu gagnerais parce que je suis Superman. I am Superman. Je suis en train de me faire défoncer. Mais non. Putain, heureusement que j'ai eu ça. Oh là 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 là, la chance que j'ai eu. Que vous le vouliez ou non, vous avez besoin de moi. Superman! On a brisé leur rang, ils reculent. Bien. Quand on les aura retroussés, il faudra de l'aide pour soigner les blessés. Je déploierai une légion aussi vite que possible. Merci, Diana. Avec toi, tout semble facile. Occupons-nous d'abord de ça. On verra si c'était facile. Il faudra que... Ça, c'est une voiture. Ugh!
alors tu vas être déçu. Allez! Tiens, il y a un Doomsday derrière. Il aurait pu l'enlever, franchement. Oh, j'ai fait. J'ai fait le souffle de glace. Ouais, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Petit coup, boum. Et je mets un petit rayon laser, voilà. La fin du monde attendra. Je savais qu'il finirait par te faire venir. Tu n'as rien à faire ici. Mon devoir ne se limite pas aux frontières de ma dimension. Je suis le sauveur de ce monde. Je le protège. C'est ce que tu crois faire? Les protéger? Les enfants désobéissants seront punis. Des enfants? Tu n'es pas un dieu, ce n'est pas à toi de décider qui doit vivre ou mourir. J'ai ce droit! Je l'ai depuis que Joker m'a transformé en arme de destruction massive! Je sais ce que tu ressens. Et tu me juges? Quand je t'aurai tué... J'amènerai Loïs ici. Quand elle verra à quel point j'ai perfectionné ce monde, elle sera effrayée et écœurée. Elle sera en vie. Sa mort ne justifie pas. Il me l'a volé. Tu as volé la liberté de ce monde. Il est temps de la lui rendre. Je suis désolé, j'étais un peu perdu, là, je ne sais plus qui je suis. Ah si, c'est bon. Pourtant, je me suis protégé. C'est moi qui vais subir. Voilà. Hop, un petit tour. Ah, c'est moi qui l'ai envoyé. C'est fini. Non mais dis donc, je suis Superman.
Tu ne terroriseras plus les habitants de cette planète. La peur est la seule chose que comprennent les gens. Un jour, tu le sauras. Tu devras me tuer. Non, pas même toi. Il y a eu assez de morts. Les complices de Superman ont été pris, ou se sont rendus. Maintenant, il faut rétablir l'ordre civil. Le gouvernement provisoire a fort à faire. Nous l'aiderons s'il le veut. Merci, mais non. Les gens doivent savoir qui dirige, pas nous. Alors, tu n'as pas changé d'avis? J'apprécie l'offre du président, mais je n'ai pas ma place au gouvernement. Aucun de nous. Tu penses que Batman a de l'avenir ici? Le crime et la corruption reviendront. Oli m'aurait trouvé pessimiste. Je suis juste réaliste. Et votre Superman? Il sera jugé. Avec ses complices. Il avait raison. À quel sujet? Dans la même situation, j'aurais peut-être fait pareil. On ne sait jamais de quoi on est vraiment capable. J'espère pour ton monde que tu ne le sauras jamais. Garde bien ça à l'esprit. Quoi? S'il se passe quelque chose, et que ça t'arrive, je m'occuperai de toi. Il faudra faire la queue. Et voilà mes amis, voilà qui achève notre let's play. Merci à tous d'avoir regardé ce let's play. Désolé si les combats n'ont pas été à votre attente, hein. Je sais que je suis mauvais. Et je vous dis merci à tous encore et... à très bientôt pour un nouveau let's play. Allez, ciao les amis.